Ça route ces petites chartes-là, qui font l'un des piliers de la stratégie qui se met en place, parmi les 10 autres piliers. Donc aujourd'hui, nous popularisons sa charte-là. Donc à cause de ça, qui mobile technicien, il expliquait un peu le contenu du charte, les responsabilités du secteur privé. Et ce que j'aime bien comprendre, le message aujourd'hui, c'est que le problème de la sécurité routière n'a pas concerné juste le gouvernement, le ministère, les autorités. Nous tous, nous avons besoin d'un coup de main. Et à cause de ça, le secteur privé, il y a un élément important dans sa campagne-là, dans sa projet-là. Parce qu'en termes de véhicules même, vous devez connaître combien de véhicules dans le secteur privé. Il y a combien de chauffeurs du secteur privé de la route tous les jours. Plus qu'il va en employer le gouvernement, probablement. Donc, c'est pour ça qu'il nous vient d'être comme un partenaire dans sa stratégie-là et pour populariser sa charte-là et qui pour autant public departments, ministries et aussi le privé aussi signé, minimum signataire. Aujourd'hui, nous avons juste 64, mais nous pouvons continuer à faire l'exercice-là, populariser sa charte de road safety-là. Et à cause de ça, mon collègue-là, parce qu'il devait connaître comment le service civil aussi est impliqué aujourd'hui. Il y a un paquet de véhicules, gouvernement, comme Aline expliqué dans le discours, il y a un paquet de chauffeurs qui est employé par l'État, etc. Donc ça, c'est la charte, road safety charter, la stratégie de road safety, etc. Qui faut mettre en place. Mais aujourd'hui, ce qui interpelle nous plus, et mon collègue et moi, nous faisons référence à ça. Trop beaucoup zen des mots sur la route. Nous donnons les chiffres qui interpelle nous, qui est choquant. 49% depuis l'année, de tout man personne décédée de man road accident, de man fatal, 49% man jeune là-dedans. 49% man jimoun, soit tu peux conduire motocyclette ou autocyclette, soit tu man pinion driver, comme ça, man passager à l'arrière. Il y en a 7 là-dedans, passager à l'arrière, dans sa 46 là. Pardon. 46 in mot représente 49%. De ban décédé, de ban victime, de ban d'accident. C'est trop beaucoup. Alors, qui nous peut faire depuis, nous peut faire la sensibilisation qui vise. Et à cause de ça, qui nous vient avec certaines mesures. Je veux dire, qui autant répression, il n'a pas seule solution à tout problème de criminalité. Mais seulement dans le cas de road offenses, road traffic offenses. Pareil comme dans le cas de drunken driving, je vous donne un exemple. Vous connaissez qui a un accident. Qui va un délit commettre par un djimoun qui conduit sous l'influence de l'alcool, il baisse drastiquement à cause d'une toughen de l'eau.